Salut à toutes et à tous, c'est Cobra Gourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Satisfactory et on va continuer où on en était resté. Alors, avant de retourner, pour continuer, parce qu'il m'a fallu revenir parce que j'étais à court de plaques de fer renforcées, on va faire l'expédition. J'adore. Les stickers comme si on faisait des voyages. C'est excellent. C'est vraiment bien fait. Et c'est Polti. Nouveau message. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être le prochain ? Pour le moment, on le sait pas. Alors, palier 5. Ouh, regardez ça. On va attaquer à faire du plastoc. Circuit imprimé, pétrole, carburant pour les véhicules. Voilà, c'est ça dont on a besoin pour les gares. Façonneuse. Alors vous voyez que c'est pas tout à fait traduit. Les camions, les ordinateurs. Et oui. Ah. Pourquoi le palier 1 ? J'ai tout fait moi. Bon, petit bug. Et le palier 6, on va avoir quoi ? Générateur de carburant. Et surtout, convoyeur de niveau 4. Le réacteur. Et le masque à gaz. Donc il me faut 50 ordinateurs. Donc je peux pas faire. Il faut d'abord que j'attaque ici. Alors. Eh bien, on va faire ça. Hein. Donc ça, c'est pas compliqué. J'ai déjà quasiment tout, mais on va s'occuper de terminer la liaison. Et je vais faire en fait comme ce que j'ai fait pour ici. C'est que je vais installer. Vous voyez pourquoi j'ai besoin des masques à gaz? À cause de ces zones où je ne peux pas accéder, alors que dessus il y a des électrolimaces. Donc je vais faire comme ça, je vais installer la raffinerie à côté. Donc on voit l'usine qui est là au bout. Ouais, c'est pentu, je sais. Désolé, mais depuis que j'ai goûté au pistolet à peinture, hein, vous avez vu, hein? Tire de très loin. Bon. Thank you.
C'est trop bas ou pas? Non, c'est bon. C'est bien, bien. Ensuite. C'est fini, oui. Donc les lingots. Bon, on va essayer de tirer la ligne. Merde. Il est déjà à 4. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai mis... Est-ce que je peux en faire? Est-ce que j'y me reste assez ou pas? Oui. Voilà. Alors, est-ce que je peux le lier ou pas? Oui. Mercredi. Donc on a une limite en termes de câbles. J'ai trouvé que deux zones écrasées au sol où j'ai pu récupérer des disques durs. Je pensais que j'en pourrais en trouver plus, mais non. Oh, vous faites chier, c'est pas vrai ça. P
pénible. Eh ben, ça crache noir, hein. Exactement ce que je vous expliquais. Il y a, les freins, ils fonctionnent pas. Eh ben pourquoi je peux pas le mettre dessus? Vous rigolez? Oh, pénible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va d'abord aller... Pourquoi je peux pas mettre de poteau électrique dessus ? Bien sûr que je peux en mettre un. Je suis perfectionniste. Que j'ai du mal à viser pour installer les pylônes parce que je suis en dessous. Donc je vais remonter sur les passerelles pour étudier ça.
Alors je sais bien que certaines chaînes qui font un let's play sur ce jeu sont depuis plusieurs semaines, ont déjà débloqué le pétrole et plus. Et moi je prends mon temps, j'essaye de vous montrer le maximum de choses au niveau de... de la création de ce qu'on peut faire dans le jeu, donc ouais, écoutez. Je prends mon temps. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu un qui avait utilisé la peinture comme moi. Alors. Vous êtes prêts? Et c'est parti mon kiki! Et c'est parti! C'est géant! On peut faire tout ce qu'on veut. Le seul truc, c'est que j'ai pas mis... voyez, regardez. À partir du lingot, pour le moment, je n'ai que ça d'actif. Donc, je vais faire une chose. Non. Je tente un truc. J'aime quand c'est droit. Mais bien évidemment, il faut alimenter l'usine. Voilà. Les lingots de catharium, des lingots d'or, hein, on a compris. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça devrait pas fonctionner. À partir du moment où on sélectionne le lingot, lui, il produit des lingots.
Mais le constructeur devrait savoir ce qu'il reçoit. Ça, c'est... Vous voyez, on peut... Je vous avoue que je sais pas comment. Hein, je sais pas comment un constructeur peut fabriquer des cartouches de couleur, de la biomasse, des trucs comme ça, puisque j'ai pas trouvé de moyen de... d'alimenter en automatique. Bon, bref. Voilà. Au moins, j'aurai ce câble pour plus tard. Bon. On a fait un truc de plus. Et maintenant, on va se cibler à attaquer les jalons suivants. C'est-à-dire le pétrole. Pour pouvoir faire le jetpack, le masque à gaz, etc. etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Satisfactory. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour le moment, je pense pas faire réellement de. Il n'y a pas de tuto à faire. Chacun le joue comme il veut. Yep. Si j'ai fait un truc. Jusqu'à présent, ma production de poutrelles partait vers le un conteneur. Et en fait. Je ne m'en servais pas. Et comme j'en avais besoin pour faire les poutres en béton armé, qui sont ici, et qui en mettent du temps pour fabriquer, j'ai fait une chose. Regardez. Vous voyez, lui, il était plein. J'ai tiré une ligne que je suis allé connecter. Ce pylône qui est le pylône qui amène le cuivre, et de là je me suis reconnecté au tapis qui sort du constructeur et qui avec les poutrelles, et comme ça mon usine est toujours chargée. Par contre là je suis pas content. Pourquoi j'ai... Alors, ça c'est les plaques de... J'ai vu un tapis vide. Oh. Ah oui, c'est les... D'accord. Oula. Je suis en manque de tiges. Assez de tiges. Et pourtant, regardez, elle tourne à 250%. Et je n'arrive pas à fournir, dites. Et oui, parce que, voilà. Parce qu'une partie des tiges part pour faire des vis et l'autre partie part pour aller alimenter là-haut. Pénible. Et les plaques de fer, ben je suis plein. On peut pas transformer, hein. J'ai pas trouvé le moyen de retransformer, peut-être plus tard. Ce serait bien qu'il l'implémente. Bon, je vais réfléchir à la chose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Satisfactory. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite de ce jeu qui est un hit en puissance. Salut, bye bye.